Bon, ben on va y aller. Hein. Petit road trip jusqu'à l'Erabling, passant par l'Odève. Avec le collègue. Station essence. Station essence et après on s'arrête pour à la même boulangerie que la dernière fois sinon. Non. Marie Blachard. Il y avait rien à Marie Blachard. C'était celle Saint-Georges d'Orc là. Tu te rappelles? Ou au pire on s'arrête à Marie Blachard, on voit ce qu'il y a. Let's go. Et ouais, c'est le collègue Dany avec qui j'étais au rassemblement de bikers. Oula. Je sais pas si vous avez vu là, mais ça a failli faire un crash. Voilà. Parce que c'est bon là. Putain, je suis parti, j'avais pas mis le téléphone. Le téléphone il s'est envolé. Là c'est bon, il tient. En fait, je l'avais laissé comme ça. Et comme ça, il tient pas, tu sais. Ah, je suis toujours impressionné du bruit. Hein. Je suis toujours impressionné de la sonorité de la Varadero. C'est vert. J'adore le bruit de la Varadero. À côté. Oh. Elle était magnifique la Triomphe. Tu passes devant du coup? Attends, je suis pas prêt moi. Il faut que tu enlèves les péages et les voies express. Ouais, du coup, il y a une boulangerie là, donc... Et ouais, du coup, il y a bien une boulangerie ici. L'objectif avec Dany, c'était de récupérer quelques sandwichs, quelques boissons, afin d'être équipé pour vivre cette journée et ce petit périple. Et croyez-moi, de l'énergie, durant cette journée, on en a eu vraiment besoin.
y est, on arrive au temple. L'Erabling. Quoi que t'as kiffé le plus pour l'instant? Ah ouais? Même les virages qu'on a pris là-bas, t'as pas kiffé? Le virage où t'as failli prendre une voiture de face. Mode ninja. Ouais. Enclenché. Bon ben on va repartir hein. Direction le pas de l'escalette. Vitesse hein. Pour pas qu'elle recule la moto. Laisse une vitesse. Ah, oui. Mais la première. C'est là hein. C'est bon, on a trouvé. Yes. Voilà, c'est comme ça qu'on termine notre mototrip. Je peux pas vraiment vous dire combien de kilomètres on aura parcouru, mais ce qui est sûr, c'est qu'on en a bien profité. Je tiens à remercier les personnes qui débarquent sur ce projet, celles qui me donnent toujours leur avis, dans la bienveillance. Je remercie Dani, qui m'a supporté toute la journée, et surtout mon pote PM, à qui vous devez tous au final cette magnifique vue. Sur ce, je vous dis à bientôt, sur la route, bien évidemment.